Bonjour, très heureux de vous retrouver sur CCTV Chalon. Chalon, chalon, chat court, petit chat, gros chat. C'est un reportage, vous comprendrez bien, qui va ronronner dans vos oreilles. Nous sommes en février et c'est un reportage qu'on aurait pu faire à la miaou. Facile. Bref, j'ai quelqu'un à vous présenter d'extraordinaire. Elle s'appelle Christelle. Christelle, bonjour. Bonjour, William. Ça va? Ça va bien. Voir si ça va bien. Reportage. Bon, Christelle, donc on vient de le dire, on va parler de chats. Hein. Expliquez-nous, nous sommes où exactement? Eh bien, en fait, on est dans un hôtel pour chats. Un hôtel pour chats? Oui, tout simplement, un hôtel pour chats. Et nous sommes à l'Épine? Et nous sommes à l'Épine, ouais. Juste à côté de Chalon-Champagne. Et puis là, on s'arrête bien sur le mot hôtel, et non pas pension, il n'y a pas de cage, il n'y a rien de tout ça. Hein. Vous allez constater, ce sont des box. Alors expliquez-nous un petit peu le concept. Le concept, c'est justement de reproduire un milieu qui se rapproche de la maison pour que les chats soient vraiment dans un cadre impeccable quoi, pour eux. Donc, ouais. Moi, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment quelque chose de sympa, de douillet, d'où le nom, le nid douillet. Le nid douillet. Nous sommes donc au nid douillet, à l'Épine. Combien de... On va dire des boxes? Ce sont des boxes, des chambres, des boxes? Des chambres, 17 chambres. 17 chambres. Capacité d'accueil de 36 chats. 36 chats. Alors, on tenait vraiment à vous présenter le nid douillet, puisque je crois que vous êtes seul sur la région, déjà. Il y a une pension pour chats à Tinqueux, il y a à Mourmelon, mais sur Chalon même, non, il n'y a personne. Mais ce sont des pensions, c'est encore un autre concept. C'est un autre concept, parce que moi, il n'y a pas de cage. Donc, il était hors de question d'avoir un établissement avec des grillages, en fait, qui se rapprochent à la SPA. C'est pas le concept. Alors, comment ça vous est venu, justement, cette idée d'hôtel? Parce que moi, je suis une passionnée des chats. Et puis, j'avais énormément de personnes dans mon entourage qui me disaient « Oh, on part en vacances, on n'a personne pour faire garder le chat. Il n'y a pas beaucoup de pensions dans le coin. » Et là, je me suis dit « Bah tiens. Pourquoi pas ?» Moi, pourquoi j'étais infirmière avant, et puis j'étais fatiguée, j'avais envie de changer. Et je me suis dit, je vais faire ça. Il y a un petit concept, vous allez nous expliquer, avec les caméras, là. Il y a un concept, effectivement. Il y a des caméras, donc les propriétaires peuvent voir leur chat via leur téléphone portable, leur tablette, et attention, à l'étranger aussi. Hey, vous entendez ça? Vous partez en vacances, vous amenez le chat au nid douillet, je peux vous garantir, c'est le nid douillet, vous allez voir, Georges va en filmer quelques-uns. Vous vous connectez pour voir comment va Poupette, et puis vous voyez que le chat, il est super bien, super, mais c'est extra ça. C'est de façon à ce que les gens, ils gardent vraiment un lien avec leur chat, et aussi pour la transparence de l'établissement, parce qu'on a vraiment un point d'honneur sur l'hygiène de l'établissement. Alors, il y a aussi une chose qui est importante. C'est les câlins. Un chat, ça a besoin de ronronner, ça a besoin de câlins. Et Christelle, vous êtes toujours là, justement, pour les câlins. C'est super important, ça. Je suis toujours là, et il y a toujours quelqu'un ici pour passer, voir les chats, leur donner un petit bisou, un petit câlin, jusqu'au soir, 22h30, où je repasse voir tout le monde. Et vous habitez sur place, hein, faut le dire. Sur place, tout à fait. Et je repasse voir un petit peu tout le monde pour voir si tout se passe bien. Un petit bisou par-ci, un petit bisou par-là. Aussi le soutien d'une association qui s'appelle les Buddy Chats aussi. Et puis moi, je les aide parfois lorsqu'ils ont du mal à trouver un petit peu de soutien pour certains chats. Voilà. Vous faites aussi de la vente de produits, j'ai vu. On fait aussi de la vente de produits, notamment les croquettes, donc qui sont à disposition. Et aussi parce qu'on est ouvert dimanche et jour férié. Ce qui fait que si vous êtes en panne de croquettes un dimanche ou un jour férié, c'est Noël, mince, j'ai plus de croquettes, et si, on sera ouvert. Génial. Il y a un service vétérinaire qui vous suit, en cas de pépin? Oui, bien sûr, on a le cabinet vétérinaire de Saint-Jean à Chalon, qui nous suit, et donc s'il y a un souci, ils prennent les chats sans aucun problème. On parlait tout à l'heure d'un chat, on va dire l'anecdote. Absolument, on a récupéré un chat, l'association des Buddy Chats a récupéré un chat qui a été maltraité, il a eu la queue arrachée, il a eu une luxation de hanche, et ce chat a besoin d'une opération. Et donc j'ai décidé d'aider les Buddy Chats, de le garder sous mon toit et de lui apporter tout ce qu'il faut en attendant l'opération. Mais on a vraiment besoin de dons pour le faire opérer.
Voilà, et c'est entre 500 et 800 euros, entre c'est ça ? Entre 500 et 800 euros. Donc là, vraiment, on fait appel à vous, parce que voilà, ce petit chat-là va bien, on l'a vu tout à l'heure, mais bon, voilà, c'est en attente d'une opération, c'est super important. En tout cas, c'est génial ce que vous faites pour lui. Vraiment, tous les dons seront utilisés pour son opération, sa rééducation. Et vous pourrez voir sur le site Facebook des Body Chats l'évolution de ses soins. Bon. Et vous avez un site, vous ? Oui, j'ai un site internet. Alors, dites-moi. La pension féline, le nid douillet, tout simplement, vous tapez, vous allez arriver dessus sans aucun problème. Vous allez voir aussi des photos. Voilà. Il y a des projets futurs encore d'agrandissement ou d'aménagement ou pas ? Dans le futur, on aimerait agrandir au niveau d'un espace extérieur. Un espace extérieur pour les chats ? Absolument, on a 1000 mètres carrés derrière qui attendent d'être aménagés, mais bon... Ça coûte cher. Hein. Ce sont des sous, bien entendu. On est obligé d'attendre encore un petit peu. En tout cas, un très beau projet. On ne peut vous souhaiter que réussite. On compte sur vous, bien sûr, pour en parler autour de vous, pour nos amis félins. Vous étiez sur CCTV Chalon. Un grand merci à vous. À plus. Ciao.